dans le top film 2018, ma gueule! Et pas n'importe quel, puisque c'est le top France! Pour une fois, on n'est pas trop à la bourre, mais cette année, on a fait deux tops significatifs. Un top pour les films français, parce qu'on considérait qu'il y en avait beaucoup de réussites cette année, et un top pour les films étrangers, qui viendra plus tard, et un flop, toutes nationalités confondues. Et on commence, Silicoche Prestoche! Avec la dixième position, qui n'est rien d'autre qu'un ex-écho entre deux films diamétralement opposés au niveau du genre. On va débuter par Le Grand Bain, réalisé par Gilles Lellouche, son premier film en solo après avoir réalisé Narco en 2004 avec Tristan Enrouet, et un des sketchs des Infidèles avec Jean Dujardin en 2012. Et je dois dire que pour sa première réalisation, ici une comédie dramatique dans la veine de The Full Monty ou des films de Ken Loach, où il appose son humour corrosif et piquant comme des petites merguez. Alors, c'est moins bien que Narco et Les Infidèles, parce que moins imaginatif, moins surprenant et du coup, moins original. Ça se base sur des tics à la mode, comme l'introduction en dessin animé, ou ces longues plages de musique pour illustrer ce qui se passe à l'écran comme des clips interminables. Et surtout, Alban Ivanov et Tamal Shingam Tammy Schlevan qui sont effacés et qui n'existent que par le fait qu'ils soient drôles ou d'origine indienne. Parce que qu'est-ce que raconte cette aventure finalement? Ce sont des dépressifs de Grenoble qui décident de monter une équipe de natation synchronisée masculine, alors que c'est une discipline exclusivement réservée aux femmes, et ils vont donc participer aux JO en tant qu'équipe française dans cette discipline. À la fin, il fait quand même un prologue pour montrer tout ce que sont devenus les personnages du film, mais ils n'y sont pas, ces deux-là, Ivanov et l'Indien. Son nom, j'y arrive. Mais malgré tout ça, on retient que Le Grand Bain est un film de dialogue, qui se savoure. Ils sont à la fois caustiques, vrais, touchants par moments, et les acteurs arrivent à se les mettre en bouche parce qu'il a un casting de malade mental. T'as Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Philippe Catherine, Virginie Efira, Leïla Bekti, Benoît Poulvord, Félix Moati, les deux dont je viens de parler. Beaucoup trop d'ISF au mètre carré. Et donc, du coup... Pour un film où tu te dis, bon, ils vont tous tirer la couverture à eux, et non, chacun existe, et ça, c'est très fort. C'est rythmé, c'est nerveux, au-delà de ces tics, moi, que j'aime pas trop, faut dire que le numéro final, on n'y croit absolument pas, et il est tout simplement surprenant et d'une beauté époustouflante. Il s'amuse avec la caméra, il s'amuse avec les lumières, etc. Le seul truc, c'est qu'on aurait aimé un petit peu plus de surprise. Ça reste un feel-good movie avec un déroulé un peu basique. Certes, il n'y a pas d'explosion de joie, ça reste un film très sobre. D'ailleurs, il y a certaines intrigues qui sont mises en avant, mais qui sont jamais vraiment résolues. Du coup, c'est bien, ça veut pas trop en dire, mais en même temps, pourquoi les aborder si c'est pour les laisser de côté? Au-delà de ça, Le Grand Bain est un très bon feel-good movie français, avec ce qu'il faut de noirceur et d'ironie, sans que ça soit tire-larme. À voir, à voir. Et du coup, en face, on lui a accolé Lucas, film d'action de Julien Leclerc, le quatrième après le décevant Chrysalis en 2007, l'efficace Assaut en 2011, le tendu et nerveux Gibraltar en 2013, et l'impeccable Braqueur en 2016. Alors, face à cette filmographie quasi parfaite, on doit dire que Lucas est en demi-teinte, réussi certes, mais moins original. Et c'est ce qu'il rapproche du Grand Bain d'ailleurs, plus mineur que ses précédents films. Mais il n'empêche que Lucas est un film burné qui raconte quoi? Bah tout simplement l'histoire de Lucas, incarné par Van Damme, qui va être obligé de collaborer avec la police pour faire tomber son patron. Et justement, ce pitch un peu simple, il arrive jamais à le transcender. Ça reste à la lisière, et c'est pas la photographie qui est sombre lorsque ça évoque les gangsters, et plus éclairée dans les halls d'hôtel avec la fille qui protège plus ou moins, qui est sous la coupe de son patron, que ça va ranger les choses. C'est pas finaux comme photographie, mais il empêche qu'il y a un putain de plan séquence dément où Van Damme s'introduit dans une baraque qui fait vraiment frissonner et on s'accroche à son siège. Il est embauché d'une manière super originale, Lucas, et il doit foutre sur la gueule tous les mecs qui sont en face de lui, et le dernier survivant est engagé. C'est une scène vraiment hyper burnée. On sent l'espèce d'ambiance poisseuse qui s'en dégage. Et alors, le casting est irréprochable, même si bon...
Il mentionne Caris sur l'affiche, mais on le voit pas, on le voit que dalle quoi, Caris. Ah, tu es là, je suis plus là, moi, on me voit plus. Mais sinon, Sveva Alviti, qui incarnait déjà à merveille Dalida, est très crédible. Sami Bojila fait le taf comme d'habitude. Il y a des gueules burinées belges, et il y a surtout Jean-Claude Van Damme, qui a pas été aussi bon depuis JCVD. On s'est dit, on va aller voir Lucas pour se foutre de sa gueule, et bah non, on y croit jusqu'au bout. Et du coup, c'est un film à voir de genre, assez court, bien rythmé, qui se consomme comme du popcorn movie, avec cette espèce de côté belge film d'auteur qui a pas d'habitude. Il y a quelques petites invraisemblances, mais c'est du bon film de genre français comme on aime voir, avec des décors qui changent un peu du Paris interlope. Là on est dans la Belgique sombre et c'est cool de voir ça aussi. Donc malgré des réserves, à voir aussi, tout comme Le Grand Bain. Alors, allez, c'est parti, on envoie la sauce, on accélère d'un cran pour la 9ème position avec En Liberté, réalisé par Pierre Salvadori. On en a déjà parlé, et pour la voir, la suggestion, bah c'est ici. C'est ici. La, c'est la 8ème position avec Muta Fukas, premier film d'animation franco-japonais, réalisé par Shuriju Nishimi et Guillaume Run, adapté de la BD de ce dernier. Oh yeah! Avec les voix de Redouane Arjan, Féodor Akin, Aurel San et Gringe notamment. Même si la voix d'Aurel San n'est pas toujours au top, on sent que c'est pas encore un comédien de ouf. Gringe et Redouane Arjan et surtout Féodor Akin en méchant rattrapent le tout dans cette espèce d'univers complètement barge tiré d'un manga mais avec des vraies références françaises qui parlent du système qui nous bousille de l'intérieur, à la fois le système politique et le système dans son entièreté. Et ça le fait d'une manière plutôt subtile, puisqu'à la base, ce sont deux copains un peu glandeurs. D'ailleurs, c'est un peu inspiré de Comment c'est loin et de la série Bloquée. Un jour, il y a des flics qui leur tombent dessus avec des mitraillettes. Et du coup, ils vont le rechercher. Pourquoi? Bah, on va pas vous en dire plus, parce que c'est vraiment un film à découvrir. Ça part en espèce de délire onirique complètement perché. On dirait un clip de Gorillaz. Mais toujours avec plein d'informations qui sont faites de manière succincte. Il y a beaucoup de silence, il y a une ambiance où c'est cradoque. Ça se passe à Dark Mid City, une ville imaginée par les auteurs, mais où il y a des influences des bas-fonds de Los Angeles. Et puis l'animation n'est pas propre, toute lisse, elle s'adapte un peu au côté crade de l'histoire, et du coup les traits sont assez originaux aussi, et en même temps c'est fluide et avec beaucoup de punch. Ça mélange l'humour de Lascar, le film, et une espèce d'ambiance manga perché où il y a des révélations à chaque fois et des surprises tout le temps, un rythme effréné, une BO qui détonne, t'en as plein les oreilles. Toxic Avenger crée une ambiance à la fois fun et flippante par moments, vraiment badass, où il y a du sang, c'est interdit au moins de 12 ans, mais putain, c'est un film qui fait du bien parce qu'il y a une énergie folle. Alors certes, il y a des défauts, comme Aurel San qui n'est pas toujours juste, et puis une psychologie des personnages qu'on aurait aimé peut-être plus étoffée par instant. Mais il n'empêche que Muta Fukas est une claque qui mérite pas plus dans le top, parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup mieux. Mais c'est un film à voir, une curiosité française. On n'a pas beaucoup des films d'animation français. Ça sera pas nommé au César, donc faites-lui honneur et achetez-le en DVD quand il sortira. Pour l'instant, c'est pas encore quand, mais allez-y, foncez quoi. Et là c'est parti, on rentre dans le gras avec la 7ème position qui n'est autre que Burnout, réalisé par Yann Gozlan, après le très réussi Captif en 2010 et l'énervant Un Homme Idéal en 2015. Pour le coup, ici, il retrouve le coup d'essai confirmé qui était Captif en 2010. Je veux dire, Un Homme Idéal était bourré d'invraisemblances, on n'y croyait plus à la fin, même s'il y avait une certaine ambiance et que Pierre Niney était convaincant. Là, ça y va direct, ça t'envoie dans le mur, hein, voilà, bam. C'est un mec qui est obligé de s'allier avec des dealers pour sauver son ex et qui va mettre à profit son talent pour la course moto, puisqu'il va faire des go-fast pour ces mecs-là, et que bah il va rentrer dans une spirale infernale. Tu ne bouges pas tes yeux de l'écran de tout le film. C'est-à-dire que les gros plans sont justifiés, les plans d'ensemble sont justifiés, les plans de course de moto sont justifiés, chaque truc est en rapport avec la psychologie du personnage. Tu vois ses pupilles dilatées parce qu'il prend des anxiolytiques, des calmants, des trucs pour se booster tout en même temps. Et tout ça crée une ambiance de ouf. On regrettera juste une fin un peu bancale et expéditive. Il y a, bon voilà, Jérémy Guez, comme dans Lucas, il y a deux, trois petites invraisemblances. On les passe parce que, voilà, il y a une passion derrière. Du cinéma, du travail bien fait avec des beaux éclairages, une belle réalisation qui n'a jamais franchi la ligne blanche pour sauver un proche qui n'est autre que la mère
de sa propre fille, bah voilà. Il y a des gueules comme Olivier Rabourdin, comme Samuel Jouy qui a réalisé Sparring dont on va parler prochainement. D'ailleurs, Jérémy Guez est le scénariste de Burnout et a également scénarisé Lucas. Voilà, tout ça se recoupe parce que les films de Jean-François Stallé, c'est à se taper la bite sur le tiroir avec la Burnout. Bah, y a rien à dire, tout le monde joue bien, c'est hyper bien rythmé, c'est de la balle. Voyez Burnout, achetez-le en DVD, le téléchargez pas, faites pas perdre de l'argent à ces films-là. Et justement, on l'évoquait précédemment, Sparring de Samuel Jouy, qui est son premier film, puisqu'à la base c'est un comédien qu'on avait vu dans l'excellent Un Français, il s'est fait repérer là-dedans en grande partie, et il brille aussi dans Burnout et dans d'autres films qu'on va pas citer ici parce qu'on n'a pas le temps. Comme son nom l'indique, Sparring évoque Steve Landry, un boxeur qui a perdu plus de combats qu'il en a gagné, et qui devient sparring partner d'un bon boxeur, lui, et... Du coup, c'est un film sur la rédemption, sur aussi le pardon, l'acceptation au sein de sa famille, parce que ce mec-là est nul, mais à aucun moment, sa famille lui dit « c'est vrai que t'es nul, quoi. C'est vrai que t'as aucune chance, t'as à chier, c'est-à-dire t'as pas d'endurance et tout machin. » Non ! Parce que c'est un cinéma humain, c'est-à-dire on galère, on n'a pas de thunes, on a des crédits à payer, mais on s'aime. Et Olivia Mirialti, qui est la moitié du groupe musical The Do, chantait « une musique pour les pubs Oxford, et bah elle est extraordinaire. À croire que dans ce film, tous les gens dont c'est pas le métier de base sont réunis pour procurer une émotion dantesque. C'est-à-dire que à aucun moment, on a l'impression que Samuel Jouy, c'est son premier film, on a l'impression que c'est déjà son 6e ou 7e. À aucun moment, on a l'impression qu'Olivia Mirialti, et ben elle incarne pour la première fois un personnage. Non, on y croit, on a même plus l'impression que c'est les acteurs, ils s'effacent complètement derrière, comme dans Le Grand Bain d'ailleurs, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'ils sont tellement à un niveau d'excellence que, voilà, Mathieu Kassovitz, c'est pareil, le mec-là, il est presque plus réalisateur parce qu'il brille tellement quand il est comédien. Je veux dire, je sais pas, il a un regard, c'est pareil, lui, il peut tout jouer, quoi. Il a une tête et un gabarit qui peuvent exprimer plein de choses. Et puis, c'est filmé d'une manière à la fois sobre, sans jamais être tape à l'œil, sans jamais te faire des effets, justement, comme Gilles Lelouch, où tu te dis, bon, parce que c'est à peu près le même genre de scénario, hein, c'est des mecs dépressifs qui vont être obligés de remonter un peu sur le devant de la scène, bah aucun moment tu ressens ça parce que c'est posé, c'est simple, efficace, il n'y a pas d'effusion, la photo est léchée comme il faut par rapport à ce que ça raconte, la caméra est nerveuse, le montage toujours sec, en même temps précis pour un premier film, on s'ennuie pas une seule seconde, on est touché sans que ça soit tire-larme. Sparring, très bon premier film, à croire qu'il y a beaucoup de premiers films réussis dans ce top français, je le rappelle. Parce que pour une fois, on a plus de 10 films français qui sont bons, et il y en a d'autres qu'on n'a pas mis dedans, mais qui sont très réussis aussi. Et là, voilà, quoi, c'est mis dans le cul à poil dans la caravane, quoi. Ça y est, ça se fait, on rentre dans le vif du sujet avec le top 5, et on commence par la 5ème position avec Monquette, réalisé par François Damiens. C'est son premier film aussi, d'ailleurs, qui raconte l'histoire d'un hors-la-loi qui va tout faire pour s'échapper de prison, retrouver son fils et l'élever à sa manière. Alors, dit comme ça, le pitch est simplissime, forcément, puisque c'est essentiellement tourné en caméra cachée, il y a certaines scènes qui sont de la pure fiction avec des complices, notamment le fils ou son bras droit, une prostituée ou sa future femme, qui va présenter à ses futurs beaux-parents, qui eux, comme le reste du casting que je n'ai pas cité, sont des quidam qui ne savent pas qu'ils sont filmés. Du coup, ça donne des réactions qui ne sont pas écrites, mais on a l'impression qu'il y a une vraie avancée du scénario. Il va les rencontrer, et petit à petit, ça va représenter des étapes dans son parcours. Et putain, ça monte crescendo, petit à petit. Au début, c'est très centré sur le cul, etc. Et après, on monte dans le malaise, on monte dans le malaise. Il y a une scène où il invite un footballeur belge à l'anniversaire de son fils. Il lui demande de chanter en flamand, joyeux anniversaire, etc. Et l'autre, il est gêné. Il y a une scène, justement, de rencontre avec les beaux-parents de sa future femme, à la fin, où vraiment c'est fini, il tend la saucisse, il fait « Tu aimes ma grosse saucisse, tu aimes la grosse saucisse ?» Ça crée un malaise. Et c'est ça qu'on veut, putain. Le mec fait un film en caméra cachée, mais il va plus loin que ce qu'il faisait à la télé, c'est le but. « Il va trop loin, François Damiens !» Bah oui, mais bon, en même temps, il fait un format cinéma, donc il veut que les gens viennent, et c'est normal. Et putain, qu'est-ce que c'est bien branlé, quoi. À un moment, il se retrouve dans une salle d'hôpital avec un ancien détenu, à la télé projeter sa fausse évasion, et l'autre à côté lui dit bon, moi j'ai fait 30 ans de tôle, etc. Et tu vois Damien qui se décompose, qui cherche à droite à gauche, qui se dit mais je suis moi-même piégé ou quoi. Et du coup, comme c'est des gens qui prend sur le vif,
les réactions qu'il choisit, parce qu'il y a eu plus de 150 heures de rush, et il sélectionne ces moments-là parce qu'ils sont uniques et que ça peut pas être écrit. Il y a que le réel et le moment M qui peuvent inclure ça, qui peuvent proposer ce genre de choses. D'ailleurs, il a coécrit ça avec Benoît Mariage, qui est un ancien de striptease et qui a réalisé les excellents Convoyeurs attendent et Cowboy notamment, et qui lui sait exactement d'où peut provenir l'inattendu dans le réel. C'est toujours drôle, c'est plutôt lui qui se moque, les autres sont des témoins ou alors ils réagissent à leur manière, ils sont jamais moqués. C'est un film hyper tendre, à la fois méchant et hyper sensible quand même. C'est le genre de film qui arrive à être émouvant avec un procédé de caméra caché un peu bancal, mais faut se jeter dans le film pour le voir parce qu'on est sans cesse surpris. Malgré le principe de la caméra cachée qui est cloisonnée, il arrive à soigner ses cadres, ses mouvements de caméra, ses placements qui sont intelligents. Et c'est en ça que la caméra cachée est intéressante, et puis c'est le fait d'aller plus loin qu'à la télé, de pousser le bouchon. Il y a un vrai travail de cinéma, on sent qu'il y a une équipe qui a bossé pour que le son soit soigné, pour que les éclairages soient beaux et que ça fasse cinéma. Et humour noir, humour graveleux, humour pince sans rire, humour gênant, il y a tout pour créer un univers belge qui n'appartient qu'à eux. Et putain, qu'est-ce que c'est mieux que Dick Neck, quoi. Il y a vraiment toute une avancée, c'est une chronique sur un mec qui va essayer de devenir quelqu'un de meilleur et d'éduquer son fils, et en même temps son fils a l'air heureux comme ça, donc voilà, c'est l'amour, voilà, c'est l'amour d'un fils et rien ne peut enlever ça, même si le mec est bourru, même si le mec est borderline, rien n'enlèvera l'amour. L'amour. Et putain, quel acteur, quoi. Je veux dire, il arrive à se grimer, les gens le reconnaissent pas, il arrive à modifier sa voix, à créer des trucs au sein d'un même sketch qui sont différents, à créer plusieurs émotions au sein d'une même unité, et il est trop fort, quoi. Donc mon quête, à voir absolument. Quatrième position, allez, c'est parti, on y arrive et on met la cinquième, on y va à fond les gommes avec Astérix, réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy. Après l'extraordinaire Astérix et le domaine des dieux, sorti en 2014, là ils reviennent avec une histoire originale qui n'est pas adaptée d'une BD Astérix, qui est un scénario pensé par Alexandre Astier à la base et puis remodelé avec Louis de Clichy. C'est tout simplement Panoramix qui se casse la gueule d'un arbre, ça ne doit jamais arriver à un druide, ça ne lui est jamais arrivé, donc il doit trouver un successeur pour lui léguer le secret de la potion magique. D'ailleurs, ça s'appelle Astérix, le secret de la potion magique. C'est nerveux, rythmé, jamais dans l'hystérie, c'est pesé, ça se permet des silences, les chutes sont étirées, n'est pas dans absolument le gag à tout prix, le gag à tout prix, le gag à tout prix, c'est intelligent, une espèce d'humour pince sans rire, presque trop fin pour les enfants, et pourtant il leur procure un vrai plaisir, comme ce méchant qu'incarne par la voix Daniel Mesguich, qui est juste monstrueux parce que il fait peur et en même temps il est rassurant. Le jeune druide qui est pressenti pour succéder à Panoramix, bah, n'a pas spécialement peur de lui parce que c'est un mec un peu fou, perché, et qui en même temps est très dangereux. Et à la fin il devient géant et il se bat contre un robot composé de Romains en bouclier que dirige Panoramix par la lévitation. Et sur Et c'est d'ailleurs le générique de début du film. Déjà ça commence, t'as la pêche parce que ça commence par ça, et à la fin ils le reprennent pendant ce combat. Et voilà, c'est pop, c'est fun, c'est blindé de références mais pas trop. Il y a ce goût de la punchline, du dialogue ciselé qu'il y avait déjà dans Kaamelott. Le casting vocal est tout simplement dantesque. On arrive par exemple à supporter Elie Semoun qui faisait un légionnaire dans le premier, qui refait le même. Alexandre Astier qui fait un centurion, qui reprend le même rôle. Et tous les gens de Kaamelott qu'on retrouve, notamment Joël Seria, ou même le père d'Alexandre Astier qui joue cet Automatix, François Morel en ordre alphabétique. Enfin voilà, c'est des mecs qui sont rodés, donc ça claque et ils correspondent au rôle et ils arrivent à habiter le rôle. Que dire de l'animation? Louis de Clichy est un ancien de Pixar et ça se voit. Je trouve que c'est beaucoup plus fluide encore que dans le premier. Il se permet des mouvements de caméra, des clairs-obscurs assez intéressants, des changements d'angle, des grossissements, des délires au niveau des yeux et tout. Sans que ça soit des trucs qu'on ait déjà trop vu dans Astérix. Je veux dire, Panoramix est souvent un rôle secondaire, que ça soit dans les animés ou dans les films live, et là il est au centre du récit. Il est interprété par Bernard Lalanne, rien à voir avec Francis et ses cuissardes, hein, mais c'est aussi un habitué d'Astier, et là il a cette voix un peu ronde, oui,
On voit que c'est des gens qui viennent du théâtre, mais qui adaptent leur jeu théâtral à la voix sans que ça fasse trop, quoi. Et c'est tout simplement bien, ça marche. Astérix, à un moment, est mis en retrait, et c'est pas plus mal, parce qu'on le voit un peu trop, et là, ça permet de mettre en avant les personnages secondaires, ce qui est un peu trop le problème des fois dans les films d'animation. Le mec qui est dans le titre du film, pendant un quart d'heure, 20 minutes, on le voit plus. Mais ils arrivent à revenir en force avec Obélix à la fin, il y a des vrais morceaux de bravoure. On regrettera juste un tout petit manque d'émotion, et que le personnage d'Obélix reste ce béné qui cogne un peu sur tout, même s'il a un bon flair et qu'il est malin. On aimerait qu'ils étoffent un peu plus ses traits de caractère. Mais à part ça, rien à redire. C'est le meilleur Astérix derrière celui de Chabat en live, le Mission Cléopâtre de 2002. Et on retrouve justement ce côté aussi de Chabat avec un humour plus graphique, plus dans l'absurde et dans le visuel. C'est le meilleur film d'animation de l'année et un des meilleurs de l'année, toutes catégories confondues. Voilà, tout simplement. Ça y est, on y est, on a ramené, mais on y est, au top 3, et là c'est le 3ème avec La Nuit à dévorer le monde, et on passe à 6ème, Illico Presto, VRD, avec le premier film de Dominique Rochet, co-scénarisé encore une fois par Jérémy Guez, et lui, on retrouve que lui, on va se faire d'ailleurs une petite Guez sur Barbuck, hein, en hommage, parce que là, franchement, 3 films qu'il a scénarisé dans le top, quoi. Ce mec est super bon. La Nuit a dévoré le monde, voilà, petit film d'auteur sur des infectés qui envahissent Paris, et un mec qui s'est endormi pendant une soirée reste bloqué dans l'appartement en question lorsqu'il s'aperçoit de ce qui se passe dehors. Et ça va être un film sur l'enfermement, sur la solitude, et qui est aussi une espèce de parabole sur les attentats du 13 novembre et de Charlie Hebdo, avec ces rues désertes, ces gens ensanglantés qui sont pas vraiment des zombies mais plutôt des infectés. Et il va avoir cette espèce de métaphore où plus personne ne sort, une espèce d'angoisse qui s'installe, et du coup ce survivant là va être obligé de rester cloîtré en concentrant ses vivres, en concentrant son énergie, en essayant de survivre. Il y a un zombie qui est enfermé dans un ascenseur qui est incarné par Denis Lavant, qui est un acteur de génie qui joue un rôle muet mais hyper expressif, tout comme il fait dans Girls with Balls qui va sortir en 2019. Et d'ailleurs, parenthèse, Olivia Afonso qui a réalisé Girls with Balls, qui va arriver bientôt dans la prochaine critique sauvage, format habituel, eh bien a fait les effets spéciaux de La Nuit a dévoré le monde. Et c'est là où ça marche, c'est-à-dire que c'est pas à l'américaine, c'est pas bouche qui pend et machin et tout, non. C'est très sobre, la mise en scène avec caméra à l'épaule, caméra portée, et en même temps traveling qui bifurque dans tout l'appartement, qui passe par des trous, etc. C'est inventif sans cesse, ça joue beaucoup sur les silences, l'interprétation des deux comédiens, même si le personnage principal au début, moi l'acteur j'y croyais pas trop, bah, il se révèle avec une vraie puissance, quelque chose dans les yeux, un vrai charisme. Et puis Goldshifté Farahani, donc qui joue la seconde rescapée, est vraiment, vraiment toujours aussi convaincante. Et on s'ennuie pas, c'est très, très rythmé, même si y a pas beaucoup de paroles. La mise en scène est brute, toujours aussi avec un montage pas trop découpé, mais où ça s'enchaîne parfaitement. Où il y a une espèce de linéarité, qu'on ne sent pas que c'est un premier film. Même si c'est un peu fauché, il arrive à mettre tout en œuvre pour que ça se voit pas trop et que son budget serve à des vraies choses. C'est un premier film, t'as pas beaucoup d'oseille, tu fais un huis clos en grande partie, mais où tu sens un vrai amour toujours du cinéma. Putain, Jérémy Guez, il est bon ce mec, il est bon. Il est prolixe, il est prolixe. Et Dominique Rochet, bah, ça sent bon pour la suite, quoi. Il y a des ruptures de ton, il y a de l'humour, il y a de l'humour noir, il y a de l'humour de situation, il y a de l'émotion, il y a de l'onirisme, il y a de l'épique là-dedans. C'est pas parce qu'on a rien qu'on ne peut rien faire. Voilà. Ça sera la phrase de la soirée. Défendez ça, parce que voilà, on est dans le top France, et c'est créatif, etc. Ouais, on arrive à la deuxième place avec Le Monde est à toi de Romain Gavras, et je peux te dire qu'il revient vraiment loin, lui. Parce que son premier film, Notre Jour Viendra, sorti en 2010, je l'avais pas vraiment kiffé. C'était un espèce de remake des Valseuses avec deux roues qui se sentaient exclues du système et qui du coup partaient dans une quête vengeresse et meurtrière dans le nord de la France. Ça sentait trop l'ersatz de Blier, la provoque à deux balles. Il y avait une espèce d'ambiance un peu papier glacé qui était pas dégueulasse. Il y a deux, trois scènes un petit peu hardcore qui étaient cool. Et puis la musique lancinante de Sébastien qui était vraiment sympathique aussi. Puis l'interprétation fiévreuse d'Olivier Barthélémy qui commençait à devenir un bon comédien alors qu'il était passable dans le film de Kim Chapiron,
qui est lui un des meilleurs potes de Romain Gavras, hein. C'est des fils d'eux qui ont créé le collectif Court Rajmé. Je dois dire que Notre Jour Viendra, ouais, m'avait laissé vraiment sur ma faim, quoi. C'était, pour moi c'était de la provoque justement de fils d'eux, quoi, d'enfants gâtés, et on craque une allumette sur le corps imbibé d'alcool d'une nymphette. Ouais, c'est hyper. Donc du coup je redoutais le pire avec Le Monde des Tatoués. Quand la première bande-annonce est sortie, j'ai dit putain ça va dépoter papa. Alors là, putain, le mec il a pris 8 ans pour sortir son deuxième film, il a fait plein de clips entre temps, notamment pour Mia et Justice et compagnie, et il s'est rodé, ça se voit parce que ça n'arrête pas une seule seconde. Sofiane Kames, excellent. Vincent Cassel éblouissant, Isabella Gianni complètement barré, et surtout Karim Leclou, hyper crédible, avec la gueule vraiment qui fond, quoi. Putain, c'est du cinéma de gueule, ça fait ce qu'on aime, bordel. C'est le clan des Siciliens qui aurait fumé un tarpé gros comme ça et pris un acide en guise de bonsoir, c'est énormissime, quoi. Je veux dire, ça mélange PNL, Booba et Caris, Daniel Balavoine, Laurent Voulzy, en même temps ça jette Philippe Catherine, François Damiens, Sofiane Kames, Vincent Cassel, Isabelle Adjani, Karim Leclou, sans oublier Oulaya Amamra, qui est excellente. Il y a son petit frère dedans d'ailleurs, Mounir Amamra, et également Mamadou Sangaré, qui joue deux petites frappes, bras droit de Poutine, interprété par Sofiane Kames, qui sont tout simplement excellents. C'est jamais une caricature de la banlieue, tout ça existe. Mais c'est les mecs sympas, quoi. Les pieds nickelés. Donc ça n'idéalise pas la banlieue, mais ça montre justement des gens qui essayent de sortir de tout ça. Rien que par le simple fait que le personnage qui à la base s'appelle Fares est sans cesse appelé pendant tout le film François, à part de rares moments, justement quand ça devient tendu, parce que on le rappelle à sa condition, on lui dit voilà, tu sais ce que t'es, tu sais d'où tu viens, souviens-t'en. Voilà, il vend des barrettes de shit, mais il met des jeux à gratter dedans, des petits bonus, des feuilles à rouler, tout ça. Il est sympathique, quoi. Parce que justement, il veut pas que la banlieue devienne un cliché, et Romain Gavras lui le montre par sa mise en scène. En mélangeant les générations d'acteurs et les styles musicaux, il arrive à tout ça. C'est pop, c'est acidulé, ça s'arrête jamais, c'est pince sans rire par moment, c'est très humour noir, piquant. Il y a qu'à voir cette scène avec François Damiens qui dit clairement que bah il a des migrants dans son jardin qui les payent 1€ par jour et que c'est des mecs à tout faire, il en est fier, etc. Le cassier qui dit oh, ouais, t'as trouvé le bon filon et tout. Je veux dire, ça nous renvoie à la gueule sans cesse, les contradictions et les trucs dégueulasses qui se passent au sein de notre société. Tout en proposant de l'humour, c'est très surprenant, on sait jamais ce qui va se passer, et en même temps c'est poignant, sans verser dans l'émotion facile, dans les choses comme ça. Le seul truc moi que j'aime pas trop, c'est ces espèces de clips dont il sert. On voit bien que c'est un mec qui vient du clip et de la pub pour le parfum, il fait un peu trop de transition musicale, un peu comme dans Le Grand Bain, pour illustrer, passer d'une étape à une autre, ça devient un peu trop automatique. Même si ça montre bien les endroits dans lesquels il tourne et ça met bien en valeur les lieux qu'il a utilisés pour le film. C'est un film qui est dans l'urgence du constat, qui parle des attentats, qui parle de l'islamisation, etc. Et la mise en scène colle à tous ces propos-là, c'est-à-dire que bah voilà, ça va prendre son temps quand ça te parle un peu de l'existence liée à la musique de Balavoine, La vie ne m'apprend rien, qui est d'ailleurs le générique de fin de film. Et ben l'introduction du film parle de La vie ne m'apprend rien de Balavoine, c'est Vincent Cassel qui évoque ce sujet-là, et la caméra va tourner progressivement autour de la voiture pour arriver à l'intérieur, et c'est en rapport avec le côté posé de la discussion, et de ce que ça évoque, de l'évolution de la vie, que bah, la vie ne m'apprend rien. Il y a un final dans un aquasplash, c'est un des seuls films français que j'ai vu où ça finit dans un aquasplash, c'est quand même monstrueux, où là ça va être caméra portée, steadicam, parce que justement ça court dans tous les sens, et il y a cette urgence, et c'est urgent de voir Le Monde est à toi. Climax de Gaspard Noé, ça y est, on y arrive, le numéro 1. On en a déjà parlé, et pour voir la critique, c'est ici les copains. C'est un visionnaire, le mec c'est un génie, voilà c'est tout. À part Hunter the Void, donc, que je trouve un peu trop long, tout le reste c'est des chefs-d'œuvre absolus, faut les voir, puis c'est tout. Puis Climax, meilleur film français de l'année, meilleur film français de l'année. Et voilà, le top film France, c'est terminé. Mais on se retrouve pour le top film Stranger et le flop film, toutes nationalités confondues. Attention, le melting pot des flops. Alors à très vite les amis, bisous sur vous. Vive le cinéma, vive la France! Alors évidemment, on en a sélectionné 11, parce que le 10e est un ex-aequo, mais il y avait plein d'autres films hexagonaux intéressants cette année, comme Au Poste, Roulez Jeunesse, Revenge, Carnivore, il y en avait pléthore, mais on n'avait pas la place. On peut pas parler de tout non plus, on parle de ce qu'on voit, de Dieu! Qui sont-ils pour me faire des proches, hein? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle? Ils nous jugent, sa femme, ils parlent!